Deux matchs difficiles pour nous. Je crois contre Aix, on n'a pas bien joué et c'était un match vraiment dur pour nous, contre une défense un peu différente. Mais au final, on a gagné. Ouais, je peux dire la même chose à propos du match contre Chambéry. Je crois que l'équipe a joué très bien dans la défense, dans tous les matchs. Et le dernier 15 minutes, je crois qu'on a fait un bon travail. Dans la défense, attaque, on a vraiment bien joué dans l'attaque et on a fait des passes. Et ouais, on a bien joué. Et c'est clair, on a gagné contre Chambéry là-bas, c'est pas facile. Et ouais, nous sommes contents maintenant. Tout le match qu'on a joué contre Nantes, c'est le match intéressant, je crois. Pour ça, moi, je attends un match très difficile, mais bien sûr, c'est un match qu'il faut gagner. Il y a des kinés et tout le monde travaille pour tout le monde sont prêts. Et oui, demain, et il y a un autre match. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs ici avec un niveau très haut. Pour ça, tout le monde peut jouer. Et j'espère demain, tout le monde va jouer bien. Si ça marche comme ça, c'est plus facile. Et tout le monde peut jouer un petit peu. Mais c'est vrai, maintenant, c'est un moment difficile pour nous. Parce qu'il y a un match chaque troisième jour, je crois. Et bah, bien sûr, ça c'est difficile, mais aussi intéressant comme joueur. Tu aimes bien jouer le match, et pour ça, ouais, c'est bien. Franchement, pour nous, chaque fois, nous, on joue un match, c'est comme une finale. On peut pas, si on perd un point, deux points dans le championnat, c'est pas fini, mais presque. Pour ça, chaque fois, on faut chercher la victoire. C'est facile pour nous. Moi, je ne pense pas à Montpellier maintenant. Si toute l'équipe pense à Montpellier, nous ne sommes pas ici 100%. Pour ça, si nous, on fait notre travail et on ne perd pas, on va voir. C'est une très bonne équipe et on attend un match vraiment difficile. Quand ces matchs aller-retour, tous les ballons, le 2 fois 60 minutes, c'est vraiment important que tu joues 2 fois 60 minutes. Parce que 5 minutes, quand tu ne joues pas avec le vrai intensité, trucs comme ça, c'est dur pour nous si on ne joue pas tous les matchs. Mais si on joue tous les matchs et vraiment concentré, je crois qu'on peut gagner les matchs, les deux matchs là. Mais on veut jouer bien et tactiquement et avec la tête tous les deux matchs. C'est vrai, on a perdu l'année dernière, mais on a changé des joueurs. Et je crois que cette année, nous sommes plus prêts pour un match comme ça. J'espère que tout le monde est vraiment prêt pour les matchs parce que. Tout le monde sait que l'Esprem, c'est une équipe avec un niveau très haut. Mais nous aussi, franchement, nous, il faut faire plaisir parce que oui, un match comme ça, c'est pas chaque jour tu joues contre une équipe comme ça. L'année dernière, je crois qu'on a perdu les dernières 5 minutes ici à Paris. On a perdu 4 ans comme ça. Si on a gagné ces matchs-là, avec 2 buts, et je crois le deuxième match, on gagne un but à mi-temps là-bas. Pour ça, si on peut faire un peu comme ça, mais un peu mieux, la chance pour gagner contre une équipe comme Vesprem, c'est beaucoup mieux parce que là-bas, c'est chaud. La salle là-bas, c'est chaud. Tout le monde va faire une pression vraiment grande. Et chez nous, contre nous. Et pour ça, oui. Il faut jouer bien ici à Paris, il faut gagner le match. Mais ouais, je crois que c'est possible aussi.